Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le prix et la date de sortie de la PlayStation 5. Alors apparemment Amazon a fait leak le prix et la date, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors moi ce que j'ai fait pour vérifier, j'ai été sur PlayStation 5 Amazon. Alors j'ai cliqué sur le site et là on peut voir la PlayStation 5 avec le lecteur CD et une manette. Donc avec la deuxième image c'est pareil, on voit bien le lecteur CD avec donc le lecteur CD Blu-ray 4K avec le socle et la manette. Donc ça je pense que ce sera la PlayStation. Quand vous l'achèterez vous aurez tout ça, donc la PlayStation, le socle et la manette. Alors là ce que j'ai vu, c'est que le prix et la date n'y étaient plus affichés. Donc vous voyez ici il est bien marqué PlayStation 5, vous pouvez choisir la caméra, vous pouvez choisir la télécommande, la PS5 sans le lecteur CD. Mais là, c'était vraiment la PlayStation 5 qui a été leak. Alors maintenant, je vais vous afficher une image où on voit justement le leak. Donc sur cette image, nous pouvons apercevoir qu'il y a le prix qui est de 499,99 €, donc 500 €. Et on peut voir que cet article apparaîtra le 20 novembre 2020. Donc c'est un vendredi. Et si je me trompe pas, je suis sûr de moi, la PlayStation 4 est sortie un vendredi également. Donc, ça confirme un peu le leak. Alors, ce que je pense, c'est que Amazon a reçu des informations. Ah oui, et on peut voir aussi sur l'image que c'est la PlayStation 5 avec le lecteur CD qui a été sélectionné. Donc, je pense que la PlayStation 5 Digital Edition, donc sans le lecteur CD Blu-ray 4K, eh ben, ce sera à 449,99 €. Donc 449,99 € pour la PlayStation 5 sans lecteur de CD. Donc ça, c'est juste officiel. Alors pourquoi je pense que le leak est réel? Parce que je pense que Amazon a reçu des informations en avance. De toute façon, le prix et la date ne vont pas tarder à être officiellement annoncés par Sony. Donc à mon avis, ce que je me dis, c'est que Sony a complètement été dire à Amazon directement voilà, la PlayStation 5 sortira le 20 novembre 2020, le vendredi, à 500 €. Et à mon avis, un employé de chez Amazon a rédigé la page de vente que vous voyez là. Alors bien sûr, maintenant sur le site, elle n'y est plus affichée parce qu'à mon avis, ils ne pouvaient pas le faire maintenant tant qu'il n'y a pas eu l'annonce officielle de Sony. Ou alors, c'est vraiment une erreur totale de l'ouvrier. Il s'est dit, ou alors de Amazon, il s'est dit, ouais, voilà, elle va coûter 500 €, elle sortira le 20 novembre 2020. Mais je trouve ça quand même bizarre. Donc, je pense, moi personnellement, je pense que c'est officiel. Ça, c'est un vrai leak. Après, il faut prendre quand même cette information avec des pincettes. Parce que tant que Sony n'annonce pas son prix, ça veut dire que tout peut changer et rien n'est officiel. Donc voilà, prenez cette information avec des pincettes, même si je suis à 99% sûr que c'est ça. Et de toute façon, on en saura bientôt plus. Et dès qu'on en saura plus, je vous tiendrai bien sûr au courant sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette petite information vous aura plu. Merci à Darka parce que j'ai vu cette information sur le Twitter de Darka. Je mettrai sa chaîne en description et son Twitter en description. Donc merci à toi poto. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous avez kiffé cette information. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mec et ciao. Peace. I'm make, bruh.